que j'avais avec la traduction, il y a des, problèmes de, fenêtres un peu. Vous discutez pas pour moi, les garçons. Je suis une sœur à tous les deux. C'est ça. Voilà, on rétablit la vérité déjà de base. Déjà de base, deux sœurs. Les deux frangines. Qu'est-ce qui passe? Attention, Félicie. Attention aux assiettes. C'est vrai qu'elle fait pas mal de bêtises, hein, cette demoiselle. Tu sais d'ailleurs que dans FE Warriors, ils vont rajouter l'assiette pour Félicie. Tu sais, ça va être son arme unique que tu peux booster avec l'atelier d'armement. Oui. Ça va être l'assiette. Ce que j'ai lu l'autre fois dans les news, ça va te refaire rire. Et de la débosseler un peu. C'est gentil, merci. J'ai l'impression de voir The Wind Waker, tu sais pourquoi? On a des oreilles pointues, personne d'autre n'a des oreilles pointues. C'est ça. Et c'est le cas dans Wind Waker aussi. Link est l'un des seuls personnages de l'univers de Wind Waker à, avoir les oreilles pointues. Ouais. Je sais ce qu'elle va dire. Ça se voit en plus, regarde derrière. Tu vois l'étiquette? Tu vois l'étiquette sur la derrière? Il sort du cadre, c'est trop fort. Les demoiselles. Oh, la pose de Camilla, quoi. Elle a toujours des poses à la Jojo, elle. Hein, c'est clair. Et c'est pas révélé dans le scénario. Je sais. C'est révélé dans le soutien qu'on a avec elle. Sama Power! Et dans les dents, Xander! J'adore cette scène. C'est clair. Elle est hilarante comme personnage. Cette scène, elle est hilarante comme personnage. Moi, j'adore, c'est la map où on la recrute dans la map Oshido, dans la, la route Oshido. Je suis tombé dans un trou. Ah, ah bah, qu'est-ce que je fasse? Tant pis, je vais mourir ici. Adieu. Ah, Yamasama! Enfin! Enfin! Ryuma-sama. Regardez-moi cette prestance, ce bogossisme. Ah là 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 là. Ah miam miam le bon casse-croûte. Ça, ça va être un bon casse-croûte, ça. Ah miam miam le bon casse-croûte. Ça, ça va être un bon casse-croûte, ça. Et après, moi, je dois bien le prendre. Hein. Mais oui, mon amour, c'est toi le meilleur des casse-croûtes. Ouais. Je suis pas rassuré. De quoi? T'as peur d'être mangé? Non, mais je suis pas convaincu après ça. Après tout ça, je suis pas convaincu. Ouais, je peux pas les mettre en duel pour l'instant. J'ai pas... Takumi, tu t'en fous, hein. Même s'il y a des ennemis qui l'attaquent au parapluie, ils s'en foutent, je te rappelle. Hein. Ouais. Juste que tu n'oublies pas, il a beau portant. Du monde, hein. Mais bon, on a vu pire. Hein. Bah voilà. Bah voilà. Marc et Léo sont là.
C'est de Léo qui lui a pincé la joue. Ça, c'est putain, réveille-toi. On va la voir. Non. Aïe. On va la voir. Non. Aïe. Et continue, repince la joue à chaque fois. Léo, c'est un monstre aussi. Parce que les valets ils arrivent là. C'est que Péric fait Max, ça va, Maté, Kudasai. Là c'est bon, qui dois-je tuer? On verra bien s'ils arrivent. J'ai créé dans mon sillage. Hein. C'est qu'il y avait quand même des ennemis là-haut encore. Hein. Dio est là. C'est ça. C'est une malade. Ah oui, je te comprends, c'est une malade. C'est pour ça qu'on avait peu de... Qu'est-ce que j'aime pas ce personnage? Voilà. Mon plan était parfait. Tu me le paieras. Gadget. Je veux dire, connu. Niveau. Et ça sera Ryoma. Ah ben il sera heureux, oui, je te confirme. Il sera heureux tous les jours. Alors j'ai fait mon choix. Ça y est, j'ai choisi. Et ça sera Ryoma. Voilà. Désolée, Néphélia, j'ai choisi Ryoma. Hein, tant pis pour toi. On n'a pas le droit d'embêter Xander. C'est vrai. Bouh, Xander, bouh. Il est complètement à l'ouest, je vois. Parce que sur le moment, franchement, il lui met tellement la misère. Hein. C'est, tu vois, ça, c'est le plus vieux sur moi. Ah ouais, sûrement. On le sait. Non. On sait que t'es pas son frère de sang. Non. Oui, il était déjà. Eh oui. Faites là du coup les amis. On espère que l'épisode vous a plu. On continuera la map et je pense qu'on finira la map dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on finit la map, y a pas de soucis. Petit pouce bleu, commentaire, partagez, abonnez-vous. Dites-nous si j'ai bien fait de choisir Ryoma à caser. Alors j'en connais une, hein. C'est de toi dont je parle, mademoiselle Néphélia. Oui, j'ai pris Ryoma. Hein, après tout, toi tu prends Xander. Alors moi je prends Ryoma, hein, écoute. Donc voilà. Laisse tomber, il est trop pété. Qui est le plus pété des deux à ton avis, Chien ou Ryoma? Tel père, tel fils, je dirais. Donc tout va bien. Je sais plus ce que c'est la skill personnelle. Bien. T'as vu ça? C'est le juste cri en fait. Dégage toi. Tu touches pas à mon fils, canard.
premier personnage masculin capable de faire le chant slash danse. Moi j'aurais dit Nyx. Bah voilà. Simplement. C'est pas la peine de me regarder comme si je t'avais posé une question piège. Hein. Non mais j'aurais dit Nils, tout simplement. Bah voilà, c'est Nils. On va mettre Tellius Saga de côté. Tellius Saga. Elle le prend mal. C'est un garçon. Comment elle me parle mal tout de suite. C'est un garçon. Je sais. D'ailleurs, on espère que vous avez eu de la chance sur la bannière actuelle de oui, parce que moi j'ai pas eu de chance du tout moi. Avec Lynn. Toi t'as eu de la chance pour le coup. Ah, moi j'ai essayé de tomber Lynn et puis finalement j'ai pas tombé. J'ai eu un certain Ike que la demoiselle à côté veut. Je veux Ike! Parce qu'elle veut monter le Ike Rédempteur. Bah c'est le Ike avec lequel je joue, donc forcément je le veux. Mais j'ai vraiment pas eu de cul, moi. J'ai eu que des 3 étoiles et des 4 étoiles. Mais t'as joué combien d'orbes? 27. Ouais, j'en ai 60, moi. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Voilà, c'est bien. Venez m'attaquer. Venez m'attaquer, c'est très bien. Venez. Oh putain! Non mais sérieux! Non mais what? Non mais what? Non mais what? Est-ce que je te... J'ai marié la marijuana, il était ravi. C'est mignon. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une info sur Kazé quand même. Mmh, il adore partager. Il adore partager ses connaissances avec sa fille. Ouais. Du rhum. Rien, c'est juste bon. T'imagines? Non, c'est juste bon. La recette. Au 5, c'est terrible. C'est terriblement archaïque. C'est comme si tu jouais à Breath of the Wild et que tu jouais à Zelda 1 juste après. D'accord. C'est pas autant, mais... ouais, c'est chaud, quoi. Je sais pas, prends A Link Between Worlds. Imagine, tu passes 30 heures sur A Link Between Worlds et juste après... Voilà pour les boys. Juste après, tu passes sur Zelda 1. Voilà pour les boys, des ladies... En maillot de bain. En japonais, c'était des serviettes, hein, ils ont censuré. Ouais.
t'empêche, une question me taraude. Là, si Ryoma rentrait, est-ce qu'il y aurait le « Ah, je ressors tout de suite » ou pas? Vu que t'as un soutien S avec lui. Je n'ai jamais eu Ryoma, en fait. Moi non plus, ça m'est jamais arrivé d'avoir mon partenaire, en fait. Mais ça serait drôle de tomber dessus. De tomber dessus pour savoir qu'est-ce qui va arriver, en fait. Bah, honnêtement, si vous le savez, eh ben, on vous invite à nous le dire. Parce que très franchement, c'est une vraie question que je me pose. C'est que si jamais votre... Ça entre les deux yeux, le mec. Goldé sur les bulletins de notes, n'hésitez pas. C'est clair. Perso, j'en ai jamais eu, mais j'en ai eu un certain nombre qui sont exceptionnels. Mais si jamais vous en avez eu, n'hésitez pas, ça. Parce que là, franchement... Ah bah oui, avec Chibouré. Avec Chibouré. Seiki revient ici. Au pied. Au pied, non mais. À la niche, tout de suite. Non mais. J'aime bien Seiki quand même. C'était pas très malin. En même temps, pour lui, ça fait 2 mois. Ouais. Pour toi, ça fait 20 ans. Il est où, mon câlin? Viens là. Ah, t'sais, non, par tous les dieux, je suis plus un gamin. C'est du fard savon. Alors lui, c'est juste...
c'est parce que son fils il est plus grand. Non mais t'es sérieux toi? Non mais il est sérieux celui-ci. C'est le nom de son épée. Il y a surtout un nom, quelque chose d'important. Ça m'a lu, ça m'est... Ça fait exprès. Voilà. Donc, est-ce qu'il a donné à son fils le nom de son épée ou est-ce qu'il a donné à son épée le nom de son fils pour être toujours auprès de lui? C'est ça. Le dernier qui a dit ça, il s'appelait Kenpachi. Qui n'en avait rien à foutre de son épée. J'ai perdu la clé. T'imagines, en fait, il a perdu la clé. Ouais. Putain, elle a la même technique. Hein. Curieuse, va. Mais quelle curieuse. Ça correspond pas à son caractère non plus. Ouais. Donc voilà, les amis, c'est la conski. C'est toi. C'est étonnant pour Saizo de parler comme ça. Après, j'imagine qu'il n'est sévère. Attends, c'est qu'avec... un enfant, quoi. Non, mais j'imagine qu'il n'est sévère qu'avec son enfant, lui. Bah oui. Tu m'étonnes qu'Asugi, il est pas content. Mmh. Tu m'étonnes qu'il fasse la gueule à Asugi. Cherche les yeux en forme d'étoile. Faut y aller plusieurs fois.
Eh ben, tu feras. Tu frapperas une troisième fois. Bah, bon, on a fait les 40. Et on fera le kill avec Azamari pour la fin. Ok. Ah, même pas 40, quoi. Merci, non, mais merci Xander, pour ton inutilité légendaire. C'est clair. Et maintenant, Azamari, il l'atteint, il l'atteint, il retourne. Nulle part. Parce qu'elle avait cassé son bâton et maintenant il est revenu. Bah ouais. Quelle père, telle fille, mon Dieu. Oh là là. Mais elle est pas désagréable comme lui, je trouve. Lui, il est vraiment très très désagréable. Il y a un nouvel ami. Elle est tellement délire comme personne. Elle est à la sieste, ce qu'il y en a est à la bouffe. C'est ça. C'est ta fille. Tous ses soutiens à la pionce. Ouais. Toi, c'est la divination.
Tsubaki, espèce de vendu! Il se fait tellement mal parler. Ça fait peur! C'est le prince héritier, Sigbert. Hein. C'est supposé être après Marx le roi suivant. Ah, les ombres de Valas sont retour. C'est ça, et ton fils se charge de tout. Et c'est lui qui les déglingue. C'est ça. Léo, il bouge pas, il est là. Non, vas-y, démerde-toi. C'est ton fils. Voilà, c'est ça, hein, je vous dirai. C'est ton fils, débrouille-toi. Voilà, la main. Ça, c'est Elise. Là, pour le coup. C'est les nouvelles unités montées de Fire Emblem. Voilà. Prochain Fire Emblem Mini. L'unité. Il est comme son père. Il veut pas que les animaux meurent. Il veut juste qu'elles soient loin, parce qu'il a peur. Petit printemps de ma vie. Tu viens jamais le voir et après tu l'appelles petit printemps de ma vie. Faut toujours qu'il soit théâtral. Du guano. Du guano, du dragon flottant, frôlant mon front héroïque. Le repère secret, c'est la Batcave. C'est ça. Mais c'est mon fils. Croque-fedouille, oula! Anti-retour de girateur. Oh purée la vache. Non, tu le laisses dans sa merde. Ils avaient qui au fait? Le pouvoir absolu. Tiens. Évidemment, c'est Nils qui avait. Lui aussi, il est comme Arthur, il est très extravagant. C'est ça.
sont pareils, hein. C'est presque trop normal comme phrase entre ouais. Deux. Ok, d'accord, bien. Ah, mais déjà que seuls ils sont armes, mais alors à deux. Ah oui, telle mère, telle fille, elles sont toutes les deux maladroites, c'est nickel. Carrément. C'est une Fujoshi. Non mais franchement. C'est une abattrie de The Boys Love. Tu me diras, Setsuna, elle est comme ça, elle ne dit rien, elle ne dévoile rien. Ouais, mais voilà. Setsuna, elle serait encore dans la chambre en disant, je vais mourir. C'est ça. Je vais mourir, on va tous mourir, tout va bien. Oh non, j'ai pris un livre sur la tête, je vais probablement avoir un traumatisme crânien. Des lésions terribles qui ne s'en iront pas de ma vie, je serai handicapé et puis... Setsuna, elle est trop comme ça et c'est trop drôle. La petite marmotte, il faut se réveiller. C'est la petite marmotte de Ryuma. C'est bien, j'en connais d'autres des marmottes. Thank you.
Ça y est, c'est ici que ce let's play touche à sa fin. Eh oui. Donc voilà, on espère que ce let's play vous a plu, que vous avez aimé découvrir Fire Emblem, du coup Révélation avec nous, que vous comprenez maintenant pourquoi il faut faire Oshido et Nord d'abord, et ensuite faire Révélation, parce que sinon vous allez vous spoiler plein de choses. Okay. On vous a permis vous aussi de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire à nos abonnés. Si. Pour ma présence, hein, c'est ça? Oui, bah ça je sais, tu dis plus rien du tout. Tu diras même pas au revoir à nos abonnés. Si. On m'a pris. Tu diras même pas au revoir à nos abonnés. Il boude. Oui, elle est méchante. Oui. Je suis tellement méchante, tellement horrible. Tu es un homme battu, c'est ça? Donc voilà les amis, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la série, dites-nous si ça vous a plu ou pas. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour la nouvelle série. Ciao les amis.